Allez, c'est parti pour ce choc de la 18e journée de Ligue Vitagaz Énergie. Le Paris 92 accueille les Neptunes de Nantes. Et là, ça travaille bien avec ses sorties. Anna Lagerquist, finalement, la solution au bout de cette longue séquence pour Sylvain Gour. Oui, c'est l'équation qui marche le plus ces derniers temps. Et c'est sûr que Nantes aura beaucoup de travail sur ses relations arrière-pivot. À Honda, avec Léna Granvaux, la sortie de Jawatara. Et l'égalisation signé Karine Stromberg. Ah, difficile d'enchaîner les tâches là en défense. À Honda avec Léna Granvaux, Stromberg. Ouais, bien joué. Karine Stromberg, son deuxième but. La fin de tir à la hanche. Derrière l'intervalle, c'est la brèche est ouverte pour la Suédoise. Ça fait 2-1 pour les Neptunes de Nantes. Stromberg et 2-3. Ouais, Karine Stromberg qui est en pleine forme actuellement, ça coïncide aussi bien évidemment à la bonne forme des Neptunes. Oh, Philippe, secteur central avec Koura Kanouté, ouais. Ouais, bonne anticipation, Dada Poitschek. Ouais, Finstadt croisé avec Aranda. Voilà ce qu'apporte la jeune Nantaise. Lagnac, la fin de retrouver les terrains. L'intervention décisive de Roxane Franck. Oh, ça peut faire du bien pour le Paris 92, évidemment. Pour Roxane Franck aussi, en cas de défaillance, de coup de moins bien de Léa Serdarevic. Finstadt avec Granvaux, Raissa Dapinas. Première minute sur le terrain, Rolana Honda. Granvaux, Finstadt, Raissa Dapina. Et le petit tir. Tout en finesse avec un rebond léger effet. Ouais, elle s'en veut là, Léa Serdarevic sur ce but. Avec l'opportunité pour Nantes de reprendre 3 buts d'avance, Marine Dupuis. Oui. Et la parade de Roxane Franck. Eh bien, 2 sur 2. Au jeu de 7 mètres pour Roxane Franck. Elle se connaît par cœur. Dans ce duel d'anciennes bisontines, évidemment. Situation d'Adja Ouattara, Granvaux. Tout simplement, l'intervalle était ouvert. Ouais. Si elle a eu du mal sur son jeu en relation au début, finalement c'est par ses savoir-faire individuels, en allant mettre la tête dedans. Finstadt. Ah, allez, ouais. La même. Et le petit lob, ouais, ça c'est tout en touché. Elle a eu 10-15 minutes pénibles, pas toujours couronnées de succès dans ses décisions. Léna Granvaux, mais là elle prend remarquablement le relais de Karine Stromberg. Elles sont en train de gâcher pas mal de ballons, les parisiennes. Mazins. Oh, elle est venue toiser Alice Mazins, sa future partenaire, Ada Poitschek. Elle est superbe, hein, sa parade. Pareil, jusqu'au dernier moment, elle est venue fermer cet angle de tir. Allez, on va la jouer à 7, cette dernière phase. Il reste 15 secondes. On va avoir un œil sur le chronomètre. Hein. Léna Granvaux avec Marie Finstadt qui vient fixer. Stromberg. Elle va y aller. Stromberg, ça a été touché juste ce qu'il faut. Non, le buzzer. Non, non, non. Il y a eu un premier bip qui n'émanait pas de la salle. En tout cas, pas de la table de marque. Ce but est bien validé pour Oriane Mondono. Et là, ce retour de balle profite à la pivot nantaise. 13 à 9 pour les Neptunes à la mi-temps. Amélie, ça reflète peu ou prou la physionomie de cette première période. Flip, oh, qui est passé entre Granvaux et Ardoin. Voilà, vous appeliez à du dynamisme et du tranchant pour Laura Flip. Voici l'illustration. Il va en falloir des tentatives des Parisiennes pour essayer de faire déjouer cette équipe, parce que là elles se baladent dans les 9 mètres, elles font un peu ce qu'elles veulent. Et encore une fois, vous avez raison tout à l'heure de mettre l'accent sur Marie Finstadt, peut-être pas être instant au scoring parce qu'elle ne va pas grandement au tir, mais elle est souvent à l'origine des buts de son équipe. Elle fait un très très gros match. Et Honda qui a bien maîtrisé ce lob. C'est là où on précipite un peu les choses, on manque de relâchement. Granvaux avec Naïmi Ardoin. Oh, la lucarne de Naïmi Ardoin.
Là aussi, c'est un facteur important dans le match, la réussite au tir qui est largement la faveur des Nantais sur la première période. Ah ouais, alors que les Parisiennes. En progrès constant, hein, ce pur produit de la formation des Neptunes. Strandberg. Orlana Honda, Léna Granvaux pour Strandberg. Ça défend bien. Ouais. Il faut aussi, si Paris veut exister, si Paris veut entretenir ses chances, il faut retrouver ses vertus, ses valeurs défensives. Granvaux. Ah, oui, et puis c'est vrai que si on regarde le scoring, elles n'ont pas pris autant que ça, hein, par rapport à autant de jeux. La contre-attaque laser et la houblette. Alice Mazas, c'est le 12e but de son équipe. Ça enflamme le public, assurément, de voir des gestes techniques comme cela. Et peut-être cette petite étincelle qui peut permettre à Paris d'y croire encore. Nyombla, Blombou à l'intérieur. Ouais, ça c'est un mouvement de pivot de haute volée. Hein. Elle l'a attrapé avec autorité et dynamique pour enchaîner et conclure. Ouais, elle a su imposer aussi son physique, c'était propre et net. La source, Blombou, la lucarne de Janela Blombou. Ah, il fallait vraiment être précis parce que c'est Florian André qui est dans la cale. Et on y revient. Avec une possibilité d'égalisation pour les Parisiennes. Ce sera le cas avec Janela Blombou. C'est l'arme de destruction massive avec son bras sur la base arrière. Côté parisien, c'est vraiment elle qui va pouvoir poser le plus de danger à cette défense nantaise. Et bien voilà, les compteurs sont remis à zéro. À l'aune des 10 dernières minutes de cette partie. On voulait du spectacle, on voulait palpiter. On a vraiment tout ce qu'il faut dans le scénario de ce match-là. Strandberg, ouais, poteau bien. Rentrant pour Karine Strandberg. Voilà, on parlait des prises de responsabilité tout à l'heure de Léna Granvaux. On peut faire confiance à Karine Strandberg aussi dans ce registre-là. Longue distance, les deux postes 3 étaient restés au compte. Ça va être l'élément décisif, je pense, des deux côtés. Ouais, l'arme. Destruction massive pour vous paraphraser le facteur X en tout cas depuis plusieurs minutes. Blombou avec la source, Blombou encore. Ouais, l'attaque de balle intérieure. Ouais, on vient la toucher forcément, Janela Blombou. Oh, ce n'était pas une demi-solution, c'était un quart de solution, un cinquième de solution. Elle était sans élan, elle n'était pas lancée, elle était presque en déséquilibre, mais là elle pourrait tirer du parking souterrain, elle marquerait. Janela Blombou, 20 partout. Quel talent, regardez la feinte et derrière un tir couché en appui bien remonté en pleine lucarne. Ouais, c'est un peu Nantes qui a incriminé un peu Florian André sur les buts encaissés, mais là Dapocek n'a rien pu faire elle non plus. Et Karine Strandberg qui pénètre et qui ne parvient pas à tromper Roxane Franck. Et ça durcit défensivement. Et après avoir couru au score depuis la 3e minute, à la 53e, ils ont l'occasion, les Lyonnes, de passer devant. La relation pivot. Quel ballon pour Adja Ouattara. Et le temps mort posé par Elle Thompson. Ouais, à rebond, le bloc bien placé, la passe vraiment millimétrée hein, de la part de Déborah Lasource. La source avec Janela Blombou. Non, ce sera trop long cette passe à rebond. Et la relance, elle est bien dosée. Poichek pour Marine Dupuis, oui, qui peut laisser exulter sa joie. Elle qui a été un petit peu en difficulté à la finition. Oh là là, on est dans la dernière minute. On est dans la dernière minute. Hein. Enfin, un petit coucou à Karolina Zalewski qui doit être en apnée là à Lille en suivant cette rencontre. Parce que là, on est bien capable de connaître l'issue de cette rencontre parce que déjà il y a un temps mort posé par Yassine Messaoudi pour que cette équipe de Paris aille au bout de sa possession pour essayer de bonifier ce dernier ballon sans que derrière les Nantaises puissent avoir l'opportunité d'égaliser. On ne peut pas avoir meilleure situation pour les Parisiennes. Hein. Il leur reste 40 secondes à jouer à peu près. Elles sont à une de plus. Et elles ont l'opportunité de rafler la mise à condition de bien négocier ce dernier ballon pour Akanouté avec Déborah Lasource, Janela Blombou, l'activité de la défense nantaise qui flotte.
avec Janela Blombou. Oh, Janela Blombou, extraordinaire. Cette énième fléchette plantée par la Guadeloupéenne avec le Paris 92 qui est devant Hondono. Il reste 10 secondes à jouer avec Finstadt, avec Strandberg. Oh, il va falloir que quelqu'un aille au tir parce que là on hésite avec Léna Granvaux et ce sera le dernier tir. Et c'est terminé. C'est terminé. Oh, ils sont allés la chercher. Regardez les images. Regardez les images et écoutez l'ambiance indescriptible qui règne ici au Palais des Sports Charpentier. Voilà pourquoi on aime le rang. Voilà pourquoi on aime cette Ligue du Tagaz Énergie qui est âpre, qui est disputée. Et cette rencontre entre le Paris 92 et les Lépines de Dante en était une très belle illustration, une très belle vitrine. Ouais, magnifique, magnifique ce match-là. On a encore le cœur qui bat d'autant de combats entre les deux équipes. Ça aurait pu vraiment vaciller des deux côtés. Les Nantaises avaient tout aussi pour arriver dans ces derniers instants à faire la différence. Les Lyonnes ont vraiment réussi hein, sur ce money time et cette dernière situation à mettre celle qui aura fait un dernier quart d'heure époustouflant. Janela Blombou, elle nous a régalé par ses gestes techniques. La victoire, elle est là, elle est là. Vous êtes allé la chercher, mais où? Au fin fond de vous-même? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, la victoire, elle est là. En première mi-temps, c'était compliqué. Et on s'est remobilisé, surtout en défense. Et voilà, et après, ça roule en attaque. Et voilà. Janela, on a l'impression que cette équipe des Lyonnes, elle n'est jamais plus forte que lorsqu'il y a des coups durs. On a presque l'impression, je ne sais pas comment tu as vécu cela, que ce retour de nulle part, il est arrivé après la blessure de Laura finalement. En vrai, ça fait un moment qu'on galère un peu. Là, on enchaîne pas mal. Il y a pas mal de blessés. Et avant le match, on s'est dit que ça allait être compliqué. Enfin, c'est une équipe au complet. Donc, même si on peut apporter que 10%, mais on apporte ce qu'on apporte à l'équipe. Et après, on va compter les bobos après le match. Et ce qu'on a fait, on était chercher l'égalisation. Après, on a vu qu'on pouvait passer devant. Et voilà, on n'a pas lâché. J'espère qu'on va faire ça jusqu'à la fin de la saison. Bah dans les bons points, il y a tes 10 minutes où tu étais in the zone, on fire, on peut dire ça comme on veut. Raconte-nous cet état de grâce qui t'a touché ce soir. Vu la première mi-temps que j'ai faite, je ne pouvais pas faire pire. Donc je me suis dit, Janela, tu poses le cerveau, tu joues et voilà. Et le dernier but là, le dernier but où tu es presque en déséquilibre et ce costal, raconte-nous comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui t'habite à ce moment-là? J'ai vu un petit trou, je me suis dit bon, j'ai rien à perdre de toute façon et voilà, j'y étais. Voilà. Ça paraît simple en balle comme ça. Hein. Non, c'est pas si simple, mais ça va, ça y est. Merci, félicitations Janela, merci.